Au cœur du Pacifique Sud, à 3 heures d'avion de Sydney et d'Auckland, l'Université de la Nouvelle-Calédonie est implantée dans un cadre exceptionnel à Nouméa. Sur la presqu'île de Nouville, notre campus de 14 hectares offre toutes les facilités d'accueil des étudiants pour favoriser leur réussite et leur épanouissement. À quelques minutes seulement du centre-ville, le campus accueille près de 3000 étudiants et plus de 200 personnels permanents qui bénéficient d'infrastructures récentes permettant de répondre aux missions d'une université du 21e siècle. Amphithéâtre, bibliothèque, laboratoire, restaurant, équipement sportif. La maison de l'étudiant est entièrement dédiée à l'amélioration des conditions de vie sur le campus, où se développe une vie culturelle et sportive intense. L'université est à taille humaine, on étudie sérieusement, mais dans une ambiance conviviale. Riche d'une grande diversité sociale et culturelle, l'Université de la Nouvelle-Calédonie est un établissement français qui occupe une place centrale dans la formation des futurs cadres de la Nouvelle-Calédonie. Seul établissement d'enseignement supérieur et de recherche, il est au cœur des enjeux politiques, sociaux, culturels, économiques et environnementaux de ce territoire d'Océanie. Nos liens avec les collectivités publiques et avec le tissu socio-économique sont forts et étroits. Exerçant ces cœurs de métier que sont la formation et la recherche, l'université est ancrée dans la réalité du pays et de sa région. Comme en témoigne la création du premier IUT de la Nouvelle-Calédonie, l'offre de formation de l'université s'adapte aux besoins locaux tout en restant dans les standards nationaux et européens. L'Université de la Nouvelle-Calédonie est un établissement placé sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à Paris. Elle délivre des diplômes qui garantissent la qualité des enseignements selon des standards communs à l'ensemble des pays de l'espace européen. Pour moi, ce qui compte, c'est que mes diplômes soient reconnus partout. L'harmonisation des enseignements en trois niveaux, licence, master et doctorat, et un système unique de crédit, European Credit Transfer System, facilite la reconnaissance internationale des diplômes proposés. Les grands domaines des enseignements dispensés sont le droit, l'économie et la gestion, les sciences et techniques, ainsi que les lettres, langues et sciences humaines. Outre les formations générales dans ces domaines, l'université forme également les professeurs des écoles, collèges et lycées calédoniens et propose à la demande des employeurs des formations professionnelles pour répondre aux besoins du territoire. Citons par exemple les techniciens supérieurs dans les métiers de la mine, de la métallurgie et de l'environnement, ou encore les cadres du secteur tertiaire dans le domaine de la comptabilité, de l'audit et de la logistique. La formation que je suis à l'université me permettra très rapidement et sans problème de trouver un métier dans le secteur particulier du nickel qui me passionne. Les diplômes obtenus à l'université offrent également l'opportunité aux étudiants de poursuivre leurs études dans le monde entier. L'Université de Nouvelle-Calédonie nous permet de débuter nos études dans les meilleures conditions et de postuler à la mobilité internationale. Une des missions essentielles de l'université est de contribuer à l'évolution des connaissances scientifiques sur des thématiques d'intérêt calédonien et régional. Ainsi, elle développe ses recherches dans les domaines aussi variés que la biodiversité marine et terrestre, la géologie, la diversité culturelle et linguistique, la recherche en éducation, ou bien encore l'adaptation du droit national aux spécificités locales. Elle contribue au développement de la société calédonienne, lequel est fortement lié à l'insularité. Pour aller toujours plus loin dans son rôle de moteur de la recherche, l'université, qui compte 6 laboratoires habilités par l'État, développe des partenariats avec les autres organismes de recherche présents en Nouvelle-Calédonie. Avec un lagon classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, un taux d'endémisme des espèces animales et végétales particulièrement remarquable, la Nouvelle-Calédonie est un hotspot de la biodiversité et un véritable laboratoire à ciel ouvert. On a autour de nous un territoire d'une richesse exceptionnelle et un terrain de recherche passionnant. Également, les solutions juridiques inédites qui fondent le statut particulier de la Nouvelle-Calédonie contribuent à en faire un laboratoire d'expérimentation unique dans le domaine du droit. Dans un pays qui façonne son avenir, nous contribuons à l'évolution des règles juridiques. Mais la richesse se trouve également dans une culture mélanésienne très vivante, notamment avec sa coutume et ses 28 langues parlées sur 8 terres coutumières. Nous formons à la valorisation et à la promotion de la diversité linguistique de la Nouvelle-Calédonie et de sa région. La création d'un pôle de recherche, d'enseignement supérieur et d'innovation numérique à l'horizon 2017 permettra de fédérer les chercheurs calédoniens, de mutualiser les moyens humains et matériels et d'accroître les liens avec les pays voisins. Parlé par près de 300 millions de personnes dans le monde, le français est la langue commune de la Nouvelle-Calédonie.
une langue dont l'université promeut la pratique en organisant à Nouméa des formations et des certifications pour les enseignants et les étudiants étrangers. Je suis venue à Nouméa pour effectuer un séjour d'échange et améliorer mon français. Enfin, avec plus de 40 accords de coopération internationale, l'Université de la Nouvelle-Calédonie est résolument ouverte sur le monde, avec comme ambition première de contribuer à une meilleure intégration de la Nouvelle-Calédonie dans la région Pacifique Sud et d'y représenter les valeurs universitaires françaises. Notre engagement s'exprime dans la devise de notre université : bâtir, transmettre, rayonner.